bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en ma compagnie, Jocelyn Cauvier. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours bien. Beau sujet cette semaine encore, une belle participation sur le net. Oui, et encore une fois, merci aux gens parce que ça aide énormément. Donc, le sujet, c'était est-ce que Internet devrait être gratuit? Pourquoi? Parce que, en fait, plusieurs villes le font de plus en plus à travers le monde, soit qu'ils vont faire un accès gratuit dans tous les lieux publics ou même certaines villes dans tout le périmètre de la ville, Internet va être gratuit carrément. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Les pour et les contre, et les gens ont bien participé. Alors, tu as très bien résumé l'introduction de l'émission et on va commencer avec les arguments contre. Oui. Allons-y. Coût d'installation, oui, et d'entretien quand même important. C'est sûr, c'est pas magique. Il faut quand même, il y a des coûts reliés à ça. J'avais fait un petit peu de recherche qu'on disait, par exemple, si c'était par Wi-Fi, c'est quand même pas si dispendieux à installer, mais il y a quand même des coûts d'entretien. Internet, des fois, il y a des problèmes, ça manque. Donc, évidemment, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut mettre notre argent là-dedans? C'est pas mal l'argument contre qui a le plus ressorti, c'est que ça coûte quelque chose. Et l'honneur de la guerre dans cette situation-là, pour tous les payeurs de taxes, eh bien, on veut bien avoir Internet, mais on veut surtout pas que nos taxes augmentent, hein? Effectivement, on a beau dire que c'est gratuit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va payer quelque part, et souvent c'est nous. Donc, les contribuables vont devoir payer pour ça, et où est-ce qu'on veut que notre compte de taxes monte? Donc, ça aussi, c'est beaucoup ressorti. Et il y a une personne aussi qui nous a commenté là-dessus, SH, qui nous a dit « Rien n'est gratuit dans la vie. Tout se paie d'une manière ou d'une autre, que ce soit le consommateur ou le contribuable. » Donc, effectivement, c'est quelque chose à penser. Là. On ressent par ce commentaire une certaine expérience de vie là, de la personne qui a mis ce commentaire-là. Hein? On n'y en passera pas une petite vite à cette personne-là. Bien, c'est une personne en France et dans le fond, ils vivent un peu les mêmes choses que nous. Quand on offre un service gratuit, à un moment donné, il y a du monde qui vont écoper de l'autre côté. Et c'est sûr que je comprends que les gens sont tannés un peu de faire augmenter les taxes. Oui, c'est pas facile. Surtout qu'on a certaines municipalités dans notre secteur où les taxes, c'est pas facile. Là. Exactement. Un autre argument contre, que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui intéresse tout le monde. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui aime Internet. Peut-être, oui, la jeune génération, une bonne partie l'utilise. Ils ont grandi avec ça. La génération plus âgée, il y a des gens que ça ne les intéresse pas vraiment. Oui, ça pourrait être injuste pour les gens de payer des taxes pour un service qu'eux-mêmes n'utilisent pas vraiment. Ouais. Ça dépend de quelle façon on voit ça. Et c'est ça, les gens me disaient comme commentaire, ils comparaient ça par exemple au téléphone. Le téléphone n'est pas gratuit. Pourtant, c'est un service que tout le monde utilise pas mal. Alors, pourquoi commencer à mettre Internet qui est encore moins un service qui va profiter à tout le monde? Et effectivement, ça se défend comme point, évidemment. Là, c'est vraiment pas tout le monde que ça les intéresse. Et maintenant, pour le prochain argument, il faut quand même bien comprendre en quoi ça consiste le Wi-Fi en tant que tel, pour bien comprendre l'argument en tant que tel, mais l'atteinte à la vie privée. Oui, c'est quelque chose à ne pas négliger, mais c'est pour les réseaux publics en général. C'est pas conseillé, par exemple, d'aller voir vos transactions bancaires sur un service public. C'est pour ça que je disais là, de bien comprendre comment ça fonctionne, c'est que tout le monde peut à peu près voir qui est connecté sur les réseaux à ce moment-là lorsqu'on arrive pour s'y joindre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est plus difficile d'assurer la sécurité. Les gens, disons, par exemple, la ville installe un système Wi-Fi, techniquement, ils peuvent voir les sites que les gens visitent. Donc, c'est sûr que c'est une atteinte à la vie privée. Je ne veux pas dire qu'ils le feraient, mais il y a des gens qui vont se sentir inconfortables avec ça. Il faut quand même le mentionner là, que c'est un des désavantages des réseaux publics. Là. Un autre argument contre, gens peuvent abuser et utiliser le Wi-Fi public pour des téléchargements illégaux. Ça, c'est un argument, en fait, pour les villes qui aimeraient installer ça, d'y penser à deux fois parce que, oui, en théorie, tout est beau, les gens vont être contents, mais tu auras toujours des gens pour abuser. Et les villes peuvent se retrouver avec des problèmes s'il y a des téléchargements illégaux. Parce que naviguer, c'est quand même tout de même assez raisonnable comme consommation. Mais lorsqu'on tombe en téléchargement, habituellement, il y a un coût relatif
à ce que tu télécharges là, selon les quantités qu'on utilise chacun? Ben oui, il y a des gens qui vont télécharger beaucoup de séries, de films qui prennent quand même beaucoup de données. Ou carrément, ils vont télécharger des choses la vraiment musique, illégales. Illégales, des choses comme ça, ou du porno, des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Là. Donc, on s'embarque dans quelque chose, peut-être une ville qui veut offrir ce service-là. On s'embarque dans quelque chose. C'est pas facile à gérer, disons. Oui. Comment il est utilisé, là, c'est pas facile ça à gérer. Ça fait pas mal de monde à gérer. Parce que quand on pense à ça, au départ, pour une ville, si on parle à la ville de Percé, qui avait un projet dans ce sens-là, à un certain moment donné, c'est que ça permet d'avoir un contact direct avec tout ce qui se déroule sur le territoire. Et oui. Ça donne, disons, une ouverture sur l'ensemble des services, l'histoire, la culture, les activités à venir, ça peut être un avantage touristique très intéressant. Bien, surtout qu'il y a beaucoup de villes touristiques qui l'offrent justement, oui, parce vrai, que hein? Les gens arrivent là et c'est quand même pratique d'avoir les infos touristiques, mais aussi juste d'avoir Google Maps pour savoir où tu es rendu. Donc oui, c'est intéressant. Donc naturellement, ça amène le problème de sécurité en tant que tel. Bien, comme on disait tantôt, le problème que les gens peuvent savoir où vous surfez sur Internet, mais aussi, et on le demande sur les sites Internet, disons que vous allez sur votre compte de banque, ça va être marqué souvent « Est-ce que vous partagez un ordinateur public? Mm-hmm. » On le demande parce que, évidemment, c'est moins sécuritaire. C'est sûr que vous pouvez vous faire pirater votre ordinateur de chez vous, mais pour quelqu'un, c'est plus facile encore sur un réseau public. Donc, il faut le savoir là, quand même. Connexion plus lente ou déconnexion fréquente, là, il va falloir me l'expliquer, ce bout-là. Là. C'est en faisant les recherches des villes qui ont tenté l'expérience. Ouais. Et quand plusieurs sont sur le réseau, on parle de pas mal de monde. Ça mangeait de la bande passante. On disait que c'était quand même lent comme connexion et souvent, ça se déconnectait. OK, lent sur l'utilisateur, pas ouais. Sur les gens qui sont déjà connectés de façon personnelle avec un distributeur quelconque. Oui, non, c'est pour les gens okay. qui, disons, qui utiliseraient le réseau Wi-Fi public. Je comprends. Bon, il paraît que c'est, se plaignent, ça serait plus lent. Qu'est-ce ça qui est plus lent. Frustrant que d'essayer d'aller sur le net et puis que ça se déconnecte ou que c'est pas assez rapide? C'est des ça. Fois, on peut peut-être plus frustrer notre tourisme que, dans le fond, améliorer son expérience de visite touristique. Exactement. Ah, bien ça, c'est pas fou. On risque d'être envahi par des pubs. Ah, les fameuses pubs sur Internet. Rien n'est jamais gratuit. Hein? Bien, c'est une peur des gens et je le comprends parce qu'encore une fois, rien n'est gratuit. Comme quand on vous offre une espèce d'application gratuite ou un jeu gratuit, gratuit, il faut le dire vite, ils mettent tellement de pubs qu'à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Bien là, il y a des gens qui se disent, bien, s'ils nous l'offrent gratuit, on va devoir se taper beaucoup de pubs pour qu'ils payent ce service-là. Donc, effectivement, là, c'est possible. Là. Un autre argument que je vois, les gens sont déjà toujours connectés à une certaine dépendance à Internet. Hein, qui n'a pas un téléphone cellulaire aujourd'hui, dit téléphone intelligent? Là? C'est sûr que lorsqu'on voit dans les... maintenant, tu regardes les familles dans les restaurants, souvent, ils sont toutes branchées ben sur le oui. cellulaire, ça se parle chacun, pas. Chacun, là? Oui, ça se parle pas. Donc, oui. Tu te dis, s'il y a un réseau gratuit partout, ça sera pas beau. Il y a quelque chose qui me dit que ça augmenterait peut-être les collisions sur la promenade à Percé. Effectivement. On ne regarde plus le paysage, on s'en va avec notre téléphone. Effectivement, là, il y a quand même des piétons qui se font frapper parce qu'ils traversent le chemin en textant. C'est une réalité. Ah, bien, c'est vraiment pas faux comme argument, ça. Et si on a les moyens d'avoir un ordi, eh bien, on a les moyens d'avoir Internet, un autre argument contre. C'est sûr que... J'avais un peu de difficulté avec cet argument-là parce que, tu sais, par exemple, si on a le moyen d'avoir une voiture, on n'a pas nécessairement le moyen d'avoir une essence qui monte à je ne sais pas combien le litre, là, donc... Bien, l'argument, c'est de dire que tu avais juste à ne pas t'acheter de voiture. C'est sûr. Il y a le transport collectif là, qu'il faut mousser. Bien, c'est sûr, si tu t'achètes, je ne sais pas, moi, si tu peux... Oui, il y a le transport collectif, mais si tu t'achètes une ordi à 5 000, oui, peut-être que tu as les moyens d'avoir Internet, mais il y a des gens qui vont avoir un ordinateur deuxième main que quelqu'un leur a donné. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Là, c'est... Puis, Il y a tout de même des avantages d'avoir un ordinateur sans avoir Internet. Là. Bien, il y a des gens qui ont un ordinateur... À tous les logiciels Word... Excel, qui vont faire des traitements de texte oui, ou des choses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, que l'ordinateur va leur servir à des jeux, n'importe quoi. Ça, il ne faut pas y goûter à Internet, parce qu'après que tu as goûté à ça, là... C'est sûr que c'est j'aurais la misère à m'en passer, honnêtement, là, mais... Moi aussi, en passant, j'ai essayé, moi. J'ai même tenté l'expérience. Non, c'est difficile. Un mois. C'est difficile. C'était la panique générale dans la maison. C'est vrai, je te jure. Non, mais c'est une drogue. Je ne m'étais pas aperçu comment que j'avais créé le réflexe de prendre mes courriers en arrivant le soir à la maison. Ouais.
C'était une routine, tu sais, on fait ça, je réfléchissais même pas. On cherche quelque chose, on a besoin d'une recette rapidement ou on se questionne sur quelque chose, c'est comme une encyclopédie accessible. Tout est là-dessus. Ben, c'est ça. C'est vraiment le premier réflexe. Donc, oui, se passer Internet, mais c'est puis ça. Puis nous, on était témoins de ça, notre génération. Oui, parce que bon, on n'a pas grandi avec Internet. C'est venu chose, plus hein? tard, là, vraiment, ouais. vers l'adolescence. Ouais. Puis... ça serait difficile de s'en passer. Comme tu dis, quand tu goûtes à ça, et les gens, bien, c'est sûr, quand tu as un ordinateur, sans Internet, c'est un peu plate quand même. Là. Je veux dire, il y a tellement de possibilités là-dessus. Bien, moi, mes enfants, là, Internet, là, c'est indispensable. Oui, non, c'est sûr que quand tu n'y as jamais goûté, quand tu ne sais pas c'est quoi, c'est plus facile de s'en passer. Là. Mais c'est sûr, il y a une dame, je te laisse dire la citation. MNF, pour oui. les abréviations. Quand tu as les moyens d'avoir un ordi, une tablette, un iPad, etc., tu as les moyens de te payer ton Internet. Tu sais, c'est sûr, oui, dans un sens. Quand tu achètes quelque chose comme ça, il faut que tu t'assures d'avoir les moyens d'avoir Internet, si c'est ton but. D'un autre côté, comme je le disais, c'est pas tout le monde qui achète des équipements très, très dispendieux. Des fois, ils ont à peine le moyen d'avoir l'ordinateur. Donc, tu rajoutes Internet, ça leur fait beaucoup. Là. C'est quand même pas donné. Là. Puis j'ai comme l'impression que dans l'évolution de notre société, à un certain moment donné, ça va devenir un incontournable. Bien, de plus en plus, ça devient presque essentiel. Même au niveau d'éducation, là, oui. on a beaucoup de cours à l'heure où on se parle qui se donnent en vidéoconférence par Internet. Des là. Écoles ont essayé, ont des iPads pour les étudiants, font des essais comme ça. Oui, c'est il vrai. Paraît que ça fonctionne c'est bien. C'est vrai ce que tu dis, oui, puis ça a même été un succès. Oui. oui. Alors, on peut le dire, là, c'est... C'est une révolution, Internet. C'est un virement technologique. À notre époque, là, c'est une révolution, faut oui, dire. C'est nous, on a vu vraiment ça arriver. Mais comme tu le dis, je pense qu'avec les années, si la tendance se maintient, je crois probablement que ça va être considéré un peu comme un service essentiel là, que tout le monde doit avoir. Puis moi, je trouve que c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs. On a déjà fait une émission là-dessus oui. aussi sur les côtés négatifs. Mais il y a tellement de côtés positifs que tu te prives peut-être de quelque chose en te privant d'avoir accès à ça. C'est sûr qu'une certaine génération, je respecte leur point de vue, là, mais à un certain moment donné, ça va être dur d'inculquer ça aux générations futures, bien, de faire abstraction de cette partie-là. Il y a du mauvais partout. C'est comme ouais. dans les livres. Je veux dire, est-ce que tu vas te priver de livres parce qu'il existe des livres pornographiques ou des livres antisémites? Ouais, du bon argument. Donc, tu choisis bien tes livres et c'est un passe-temps incroyable. C'est la même chose pour Internet. Il faut que tu choisis qu'est-ce que tu visites, dans le fond. Argument pour maintenant. Oui. Même si on avait déjà commencé. Sans être gratuit, on pourrait ajuster selon le revenu. Ah, voilà une vision différente. Oui, c'est sans tomber dans la solution magique, tout est gratuit. Ça, je pense que ça serait peut-être raisonnable d'y aller selon le revenu, justement, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à arriver. Peut-être pas facile à gérer, par contre, quand? Oui, parce que les critères, les barèmes risquent de ne pas faire des contents nécessairement, là, parce que c'est comme dans toute situation où on ajuste selon le revenu, des fois, ben peut-être que les gens moins fortunés vont être contents, mais les gens un peu plus fortunés, peut-être qu'ils vont trouver ça injuste. On peut comprendre aussi. Il y a justement GS qui nous parlait là-dessus, qui nous disait « Je suis en partie d'accord avec la gratuité. » Sinon, à tout le moins, avec une réduction, surtout pour ceux qui sont à revenus modestes. Donc, je pense que ça serait probablement plus réaliste qu'une gratuité totale. Ou ça pourrait être un début d'essayer ça. Et après, bon, s'ils veulent faire la gratuité totale, c'est un choix aussi. Mais ce que je trouve bien dans ce commentaire-là, c'est que c'est vrai que ça ne doit pas juste être une affaire de riche d'avoir accès à l'Internet. Là. On est privilégié, nous, en Gaspésie, hein, d'être connectés comme on l'est là, et d'avoir une fibre optique qui a été passée dans l'ensemble pratiquement des institutions de la place. Là. Puis on est probablement un des endroits, là, si je ne veux pas affirmer quelque chose sans être certain, mais on est l'une des régions les mieux connectées. Là, ah oui, y a beaucoup. On en a de la chance. Il y a quand même des endroits où c'est techniquement presque impossible de se brancher. En trois jours là, pour télécharger une photo. Oui, c'est ça. Donc, on est chanceux quand même. On a du haut de vitesse. Puis, La plupart des gens ont maintenant des appareils Wi-Fi, cellulaire, portable, tablette, etc. Bien, c'est une réalité un peu comme, je ne sais pas, moi, presque tout le monde a des voitures. Il y a des postes d'essence partout. Ils veulent faire les voitures électriques, il va y avoir des bornes électriques partout. Bien, la même chose, tout le monde a des appareils ou presque des appareils qui vont sur Internet. Ça serait logique qu'il y ait
sainte partout, au moins dans tous les lieux publics, par exemple, ça serait un bon début, qu'il y ait un accès. Là, là il y a un superbe bon argument pour la gratuité. Là. Avec le coût de la vie, il devient cher de payer Internet, le téléphone et le câble. Et ça, là, ça vient des montants complètement ridicules. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Les gens qui ont tous les services, moi, de plus en plus, je vois des gens qui me disent, moi, il faut que je fasse un choix avec Internet et le câble. De plus en plus. Mmh. Et beaucoup vont choisir Internet parce qu'ils se disent, à la limite, je peux aller écouter mes émissions sur Tout TV, etc. Oui. Donc, beaucoup de gens choisissent entre les deux et de plus en plus de gens choisissent entre un cellulaire et une ligne fixe et ils vont prendre le cellulaire. Puis là, je te compte pas de mentir, là. Il y a des gens, si tu fais le total du câble, de l'Internet puis des cellulaires dans la maison, là, ils pourraient s'asseoir à la table et dire, là, on a le choix. C'est la maison ou l'Internet, le câble puis le cellulaire. Parce que quand on est rendu là, à des 350, 450, 500 $ par mois en communication pour se prémunir de l'ensemble de ces appareils-là, incluant la télévision, naturellement, et le câble et le service de téléphone de base, ça devient complètement irréaliste. Puis je pense qu'on est un des endroits dans le monde où on paye le plus cher, en plus. Ah, oui. Je veux dire, il y a certaines compagnies qui beurrent épais. Même le gouvernement fédéral pensait faire un petit ménage là-dedans à un certain moment donné, mais ça ne semble pas facile. Hein? Non, et c'est décourageant pour les gens. Comme je disais, les gens qui ont tous ces services-là sont chanceux. Parce que moi, je connais vraiment beaucoup de gens qui doivent faire des choix, oui. qui ne peuvent pas tout se permettre. Comme je disais, ils vont prendre Internet au lieu du câble et un cellulaire au lieu d'une ligne fixe. Mm-hmm. Et c'est dommage d'en être rendu là, mais il y a eu un... C'est dommage, mais ils font bien ces gens-là parce qu'il y a des priorités. Tu sais, il va me demander, il faut que tu fasses des priorités. Ben c'est ça, je veux dire, les gens, ils veulent manger aussi, puis ben il faut qu'ils payent je sais pas le dire, la voiture. Tu l'as dit, ben ouais, c'est ça, à un moment donné, il faut mettre des priorités. Mais c'est dommage que ça en ait rendu là. Puis. C'est ceux qui se privent de leur télé pour aller vers la télé Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, je l'enlève pas, mais vous perdez votre canal communautaire. Bien, je veux dire, ça nous fait de la peine. C'est pas comme le câble. Bien, c'est ça. Puis le câble. Je veux dire, Internet, c'est beau avoir certaines émissions, mais ça ne sera jamais comme le câble. Tu vas avoir certaines émissions de certaines chaînes. C'est triste de devoir se passer du câble. On perd contact avec les nouvelles locales. Exactement. Là, je parlais du communautaire, mais il y a Radio-Canada, Est du Québec, CHU TV régional. C'est des stations tout de même qui ont une vocation collée sur le milieu. Exactement. Si on se contente d'Internet pour écouter la télévision, on est vraiment déconnecté. On va se limiter aux émissions les plus populaires qui passent, mais encore là, ça reste pas toujours là. Souvent, personnellement, j'ai checké, souvent ça bug. Tu essaies d'écouter ton émission que tu as manqué la semaine d'avant. Puis ça marche pas, ils l'ont pas mis ou ils l'ont déjà enlevé. Internet, pour écouter la télévision, c'est pas idéal. Tu l'as tenté? Oui. Tu parles d'expérience? Oui, par expérience, parce que ça m'arrivait de manquer une émission, d'oublier l'enregistrer. Bien, je vais aller sur Internet, ils sont tous là. Souvent, ils sont pas là ou ils sont enlevés ou ça bug, c'est lent ou il y a tellement de pubs qu'à un moment donné, ça devient fatigant. Mm-hmm. Fait que c'est loin d'être l'idéal. Je trouve ça dommage quand les gens doivent se priver du câble et aussi, évidemment, pour les nouvelles locales. Puis les cellulaires, ne veulent pas, à un certain moment, le papa en a un, la maman en a un, les deux enfants en ont un, à une moyenne de 70 $ chacun. Là, j'exagère pas, là. Oui, bien, c'est bien beau, les iPhones, etc., mais il y a eu un ménage dans les compagnies cellulaires. Maintenant, c'est des contrats de 2 ans et les forfaits ont été remaniés. Ça n'a pas de bon sens. Si tu veux un iPhone ou les grosses marques que tu vois. Téléphone intelligent, quelconque. Téléphone intelligent, ça commence à 70 $. Si tu en veux un plan plus petit, moi, j'ai réussi à avoir un plan plus petit parce que j'ai accepté d'acheter un BlackBerry qui était remis à neuf. Okay. Donc, ils me le passaient sur un forfait mini. Mm-hmm. Mais sinon, oublie ça. C'est 70 en montant, calcule les taxes, calcule les petites choses que tu dois rajouter. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est une réalité que nos parents n'ont vraiment pas eu à faire face. Là. Ouais. Des dépenses en télécommunications comme ça, là, c'est du jamais vu. Ouais, donc c'est du jamais vu. Ouais, je pense que les jeunes familles aujourd'hui ont à faire face à ça. Puis j'entends plusieurs personnes de mon âge, on discute des fois de ce genre de choses-là, puis on se dit, ça n'a plus de sens. Là. C'est quasiment rendu le même prix que notre paiement de véhicule. Là. Carrément. Donc, puis les gens commencent, comme en ville, là, il y a plus de choix aussi de compagnie. Les gens commencent à faire des forfaits. Si tu prends tout avec la même compagnie, téléphone, cellulaire, etc., ils te font des forfaits. Je pense qu'ils commencent à allumer que les gens n'arrivent plus. Là. Ça n'a plus de bon sens. Je pense que nous autres, là, ça serait bien apprécié que ça devienne un service essentiel. Puis, pour beaucoup de monde, là, je pense que
Je pense qu'ils ont de la misère à arriver avec tous ces contrats-là. Moins d'irritation quand on attend dentiste, docteur, bureau. Bien, en fait, c'est vrai que quand on a accès, j'ouvre une parenthèse, les personnes vont à McDo, à Tim Hortons, ça va leur faire de publicité, le Wi-Fi est gratuit. Il y a des gens qui vont là et prennent un café et naviguent pendant 4 heures. Là. Je lisais sur Internet une étude justement qui expliquait au commerce, au bureau de dentiste, que c'était avantageux pour eux d'installer un Wi-Fi parce que c'est prouvé qu'un client va être beaucoup moins satisfait si pendant l'attente, il est capable de faire autre chose sur son téléphone. C'est même prouvé statistiquement. Statistiquement, oui. On a fait des études là-dessus qu'il y a moins de clients mécontents. Donc, c'était avantageux pour les entreprises d'offrir un Wi-Fi et que ce n'est pas très coûteux pour eux en plus. Donc, tu as plus de chances que le client va revenir. Que ça permettrait d'avoir accès à Internet partout dans la maison, même sur le patio. On a tous déjà expérimenté ça. Ton Internet, il marche très bien partout dans la maison, sauf là où tu en as besoin. Il ne marche pas dans ta chambre, il ne marche pas au sous-sol, il ne marche pas sur ton patio. Donc, mais il marche sur ton voisin de 2 maisons plus loin. Donc, c'est ça. Internet, ça ne marche pas tout le temps partout. Donc, un des avantages qu'on citait, c'était justement qu'au moins tout le monde pourrait avoir Internet partout. Parce que là, quand tu es obligé de te pencher un petit peu dans la maison, pas essayer de pogner le reste, ça n'a pas de bon sens. C'est comique que tu parles de ça parce que moi, où je suis, il y a un peu de tourisme et tout ça. Et puis, parfois, je pogne mieux. Les locations de chalets qui sont pas très loin de la maison, que mon propre Wi-Fi, à moi, il apparaît là, avec 3 bars, puis le signal est plus fort. 2 bars, là, c'est quoi qui se passe? Mais c'est ça. Une chance qu'ils ont mis des mots de passe parce que j'aurais pas besoin d'Internet chez nous. Là. Ils n'ont pas le choix. Puis je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire ça d'ailleurs. Là. C'est ça. C'est quand tu pognes l'Internet de ton voisin, ça va pas bien. C'est une autre affaire, ça, protéger son service Wi-Fi pour pas se le faire prendre par les voisins. Définitivement. Ouais, parce que les maisons sont tout de même proches dans certains. Ben quartiers, oui, là. Je veux dire. Surtout si vous êtes dans une espèce de bloc de logement. Là. Oui, ça, c'est vrai. Protéger, parce que moi, j'ai connu des gens qui ne savaient pas, mais que les voisins étaient plugués sur eux tout le temps. Donc, eux avaient déjà pensé à le Wi-Fi gratuit. Ce concept-là, eux, ils se sont appropriés ce principe. Exactement. Pas nécessairement de façon légale, mais ça, c'est un autre dossier. Permet d'avancer dans nos travaux quand on est dans les lieux publics. Dans le fond, ça nous permet d'être en contact continu avec nos responsabilités professionnelles et la famille. Bien, c'est sûr. Je pense, par exemple, aux étudiants qu'il faut qu'ils tapent je ne sais pas combien d'heures de métro, de bus, de tout ce que vous voulez. Pour eux, ça peut faire une différence d'être capable de continuer leurs travaux. Les gens à leur travail aussi, ils ont des choses à remettre en retard. C'est sûr que le désavantage, c'est que ça fait des gens qui ne se déconnectent jamais de rien, ouais. Qui n'arrivent pas à relaxer. Mais c'est quand, ça peut quand même être pratique quand on est bousculé par le temps, qu'on a des choses importantes à faire ou à vérifier sur Internet. Au lieu d'attendre d'être rendu chez nous, bien, on peut déjà faire des vérifications. Sais-tu s'il y a Internet dans le métro? Oui. Oui? Puis les téléphones cellulaires fonctionnent-tu maintenant? OK. Parce que moi, à l'époque où j'étais à Montréal, en 99-2000, il n'y avait rien. La dernière fois que j'avais été à Montréal, le signal ne passait pas de cellulaire. De cellulaire, mais j'imagine que ça a été amélioré. Là, OK. Parce que ça fait quand même longtemps, mais c'est bien. Si ici, c'est dans le métro. Là. Mais pour le métro qui descend à Chandler à Percé, il n'y en a pas là. Ça s'en vient. OK. Un meilleur magasinage pour comparer les prix et s'assurer qu'on fait le meilleur achat, ça peut être un avantage aussi. Hein? Peut-être pas un avantage pour les commerçants. Mais c'est parce que j'étais voir des articles qui expliquaient les bons et mauvais côtés. Mais c'était un des côtés qu'on disait, les gens peuvent plus comparer. C'est sûr que le mauvais côté, si c'est trop cher, les gens vont dire, je vais arriver chez nous puis je vais commander dans une entreprise. Ça met à l'épreuve la politique qu'on va battre le meilleur prix. Là. Quelqu'un qui prend le... Moi, je ne me vois pas magasiner puis naviguer en même temps. J'aurais l'impression de travailler en double. Ça me demande beaucoup magasiner, moi. Il faut que je me concentre sur ce que je magasine. Puis je portais à lire... derrière chacun souvent, des articles. Ce que les gens font aussi, s'ils vont magasiner une télévision, ils vont déjà avoir fait un petit peu leur recherche à la maison. Voilà, ils vont arriver avec un dossier bien épais. C'est ça. C'est sûr que ça force les commerçants d'ici à baisser leur prix parce qu'il ne faut pas se leurrer. Des fois, il y a des choses qu'on paye ici, le double, c'est pas très. Donc, c'est bon l'achat local et je suis pour l'achat local, j'essaie de le faire quand je peux, mais des fois, il y a des choses. Ça n'a juste pas de bon sens. Il y a des limites à beurrer à tranche de pain. C'est ça. Si tu vas payer un 10$ de plus, ça peut être raisonnable, mais quand tu payes 5 fois le prix, des fois. J'ai vu des situations comme ça, moi aussi, malheureusement.
Parce que moi aussi, je prône l'achat local, c'est hyper important. Mais des fois, il faut faire attention là, sur la marge de profit qu'on va aller chercher en tant que commerçant. Et je vais te laisser le dernier commentaire, Jocelyne. Bien, en fait, c'est le point, moi, que je trouvais le plus positif. Ça brise beaucoup l'isolement et la solitude. Bon, je pense que ça pourrait être offert, par exemple, dans les centres de soins longue durée aussi. Ça m'a marqué. En fait, le sujet est venu parce que j'étais à l'hôpital de Channer, au ce qu'on appelle le 400, le quatrième étage. Puis je regardais les gens qui sont là à long terme et je me disais, ça serait tellement le fun si ces gens-là ont accès, à des petits iPads ou à un poste d'ordinateur quelque part dans une salle avec Internet. Je me dis, ça doit être long les journées. Là, c'est pas le cas? Je sais pas honnêtement. Okay. J'ai aucune idée, là. Mais je me disais, ça serait le fun que ce soit vraiment une norme dans tous les centres de longue durée pour les personnes âgées ou pour les centres pour personnes handicapées. Peut-être que c'est le cas dans plusieurs endroits, là, mais je pense que c'est pour vaincre la solitude. Je connais beaucoup de gens plus âgés qui me disent heureusement qu'ils ont ça parce qu'ils ne voient personne. Ah ouais. Donc, par exemple, ils vont être sur Facebook et ils ont l'impression d'exister, de pouvoir interagir avec des gens, d'échanger des recettes. Ça passe. J'ai fait une émission là-dessus. Hein, ben oui. Pas utiliser le mot dépendance, mais la vie qu'on peut avoir de par les réseaux sociaux, de par notre connexion à Internet. Ben oui, surtout quand on vit beaucoup de solitude, d'isolement, et ça peut arriver à 20 ans comme à 80 ans. Et il y a une dame qui m'a écrit, je trouvais ça beau, elle, qui me disait, j'ai une résidence pour personnes âgées et ils profitent gratuitement de l'Internet, car pour tout, c'est pas tous qui ont les moyens de se le payer, on se doit de les garder le plus autonome possible. Mon Dieu, elle a une vision, elle a une belle vision, cette personne-là. Ben et oui. Elle est avant-gardiste hein, dans sa façon de conceptualiser ce service-là. Ben, j'ai adoré son intervention et je me suis dit, ben, il y a sûrement d'autres personnes qui pourraient l'imiter. Je pense pas que c'est un service qui doit être si dispendieux pour une résidence. Mm-hmm. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un ordinateur, mais au moins d'avoir des postes ou des tablettes accessibles aux gens. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait que ça brisait l'isolement, le sentiment de solitude, etc. Même pour vaincre la dépression, on travaille beaucoup avec des tablettes, des trucs comme ça. Je pense que ça serait... En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des résidences, ça serait une idée peut-être à réfléchir. Puis d'après moi, on est loin d'avoir terminé d'évaluer les bienfaits que ça va avoir apporté dans notre société comme qualité de vie, là, les bienfaits d'Internet, les bienfaits de pouvoir être connecté là, à cette immense autoroute là, de l'information, oui. Malgré tout ce qu'elle peut impliquer. Là. Ça va toujours continuer. On ne peut pas imaginer les nouvelles applications qui vont être disponibles dans 5 ans, dans 10 ans. C'est une vitesse folle. Hein? Incroyable. On voit des applications, on se dit, mon Dieu, ça existe vraiment. Donc, tu sais, tu as des gens, ils vont passer une soirée à regarder des photos de chats, puis ça va faire leur soirée. Ben oui. Ou ils vont regarder des vidéos drôles sur YouTube, puis ils vont enlever leur déprime. Donc, ça a vraiment un gros effet. On a juste à voir quand il manque d'électricité, qu'on n'a plus Internet. Là. Mm-hmm. C'est la panique. Là. Ça va devenir un incontournable, même au niveau du commerce. Hein. On s'aperçoit qu'une entreprise maintenant qui n'est pas présente sur le web, là, elle est à côté. Là. Bon, oui, quand les on n'a pas de site en ligne, web. Vendre nos produits. Nos produits doivent être accessibles traditionnellement encore dans notre magasin d'origine, mais souvent, là, tu dois penser déjà à développer là, l'achat en ligne de tes propres produits que tu as dans ton propre secteur. Et même souvent, ça va être des gens de ton propre secteur qui vont magasiner ta boutique en ligne et après l'avoir magasinée, tout simplement passer la chercher en magasin. Là. J'ai entendu des témoignages comme ça. Exactement. C'est spécial. Là. On est rendu là, TVCGR, c'est la même chose. On est rendu sur le bas, mais on n'avait pas le choix de faire le virage. Et puis, on s'est aperçu, oui, on a des gens qui nous suivent, effectivement, sur le net. On a des gens qui nous suivent de façon traditionnelle à la télévision, mais on ne peut ignorer cette clientèle-là qui grandit d'année en année. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de résistance, mais Internet, c'est là pour rester. Je pense que oui. Donc, puis, je pense pas qu'on ment en disant ça loin de là. Il faut voir le positif, je pense. Oui, il faut voir le positif. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et des fois, les gens aussi qui sont très négatifs par rapport à Internet n'ont pas essayé. Ils n'entendent seulement parler des histoires. Ou ils ont eu une mauvaise expérience et se sont peut-être arrêtés là-dessus parce que c'est garde, il n'y a rien de parfait. Mais comme tu le disais, ton exemple pour les livres tantôt est excellent. Bien choisir son livre. Bien choisir ce qu'on consulte sur Internet. Exactement. Et puis à partir de ce moment-là, on risque d'avoir des superbes, de belles expériences.
Exactement. Ben, ça fait du bien d'en parler, je sais. Oui. La beauté de la chose, c'est que l'émission revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Au plaisir de se voir la semaine prochaine.